Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Super Island God VR. Et ouais, et vous allez voir qu'en fait tout simplement, eh bien on va être le dieu de toutes ces îles, comme c'est marqué juste ici, voilà. Tiens, on va tout de suite s'attaquer à ce niveau, donc le premier niveau. Alors ce qui se passe, c'est que le jeu, ben il est tout en anglais, et moi je comprends pas forcément bien l'anglais, mais je vais essayer de me débrouiller comme je peux. En tout cas les gens, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, et n'oubliez pas que vous avez un petit lien dans la description pour acheter vos jeux moins chers sur G2A. Alors, donne-moi ça, that new island got smell. Yes, play, vas-y, c'est parti, let's go. D'accord, alors j'ai essayé un petit peu avant de faire la vidéo, mais je vous avoue que j'ai pas tout compris, mais on va comprendre ensemble. That new island god smell, vous êtes le nouveau dieu de cette île, ok d'accord. Essayez de ne pas trop vous y attacher, je pense. Complète level, time attack dans 2 minutes 35, ok d'accord. Donc, on a une attaque dans 2 minutes 35, et bah c'est parti. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, new objectif, build de ferme, donc... J'ai eu l'occasion d'essayer un petit peu avant de faire la vidéo. Donc au début, on a des objectifs. Par exemple, il faut construire une ferme. Vous voyez que là, j'ai mon tableau d'objectifs. Je peux construire soit une petite ferme, soit une hutte, soit je peux faire des miracles. Par exemple, je peux faire apparaître des éclairs ou je peux faire apparaître de la pluie. Donc là, en fait, on a du temps. Et si vous voulez, dans 2 minutes 35, il va y avoir une grosse attaque sur la terre. Donc, au début, on construit une petite ferme. Donc on va la mettre pas trop loin. On va la mettre genre par là. Alors je vais essayer de pas trop m'éloigner parce que c'est dur avec ce genre de jeu hein. Vous avez vite fait de vous retrouver à l'autre bout de la pièce, c'est ça le problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est que toi, on va te mettre au travail ici. Voilà, ça ira plus vite. On va les mettre comme ça. Attends, hop, voilà. Tu travailles toi. Ah non, ils sont déjà deux. Ok d'accord. Maintenant, eux ils ont construit. On va prendre eux. Et on va les faire travailler dans la ferme. Ok. New objectif. Put out the fire. D'accord, éteignez le feu ici. Ok, donc pour éteindre le feu, il suffit que j'appuie sur ma petite touche. Je prends un miracle. De la pluie. Voilà, on va éteindre le feu comme ça. Et ben voilà, c'est parfait. Voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez un petit peu le concept? Assigne 3 lumberjack. C'est quoi ça mon vieux? Assigne 3 lumberjack. Les lumberjack. C'est pas ça les lumberjack? Les huttes? Non? J'en sais rien, écoutez, on va construire des huttes, tranquillement. Voilà, on va faire comme ça. Ok. Peut-être 3. Voilà. On va prendre ça, vas-y, aide-la un petit peu. Viens ici, toi. Voilà, aide-la comme ça. C'est parfait. Hop, 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 où tu vas? Voilà. Bon, eh ben, c'est parfait. Là-bas, ça bêche, tranquillement. Alors, on peut aller d'île en île, hein, regardez. Je peux très bien aller là-bas. Par exemple, ici, j'ai une carotte. Voilà, là, il y a une carotte et une pièce. Alors, je sais pas trop à quoi que ça sert. Je les avais trouvées tout à l'heure dans ma partie aussi. On va la mettre là-bas. Voilà, on va revenir là-bas tranquillement. Peut-être qu'ils seront contents si je leur ramène une carotte. Regardez, j'ai ramené une carotte, là. Hein? Alors, c'est pas cool un petit peu, ça? Alors, attends, par exemple, eux, on peut les envoyer aller couper du bois. Tiens, voilà, vas-y. Coupe un peu de bois là. Coupe du bois, je t'ai dit, mon vieux. Là, vas-y. Non, c'est pas celle-là. Alors, c'est peut-être là-bas qui coupe du bois. Vas-y. Voilà, regardez là. Alors, regardez, je peux modifier la map comme ça. En fait, pas modifier, mais je peux la tourner. Voilà. Vous voyez, je peux vraiment me balader partout. En fait, on est un dieu, hein, tout simplement. Voilà. Si je veux, je me mets plus haut en faisant ça. Voilà, putain j'ai l'impression d'avoir les pouvoirs mon vieux quand je fais ça, c'est un truc de fou. Et là du coup ben, on voit vraiment, on a vraiment la totalité de la map sous nos yeux. On peut prendre des petits bonhommes comme ça, hein. Tiens, tu pars en exil là-bas mon vieux, bah elle est partie, vous inquiétez pas, elle sait nager. Et je peux me mettre par exemple à hauteur d'homme en faisant ça. Wouh, voilà. Voilà, bonjour ma petite dame. M'accorderiez-vous une petite danse? Qu'est-ce qu'elle fait elle? Attends. Ah ok d'accord, ah bah oui. Ah oui, regardez, 450 de bois. Il nous faut du bois. M'accorderiez-vous une petite danse, ma petite dame? Un petit tango? Wouh, oula. Oula. Attends, voilà, regardez, on peut les faire tourner comme ça. Et vers l'infini et l'au-delà, mon vieux. Voilà, donc c'est vraiment bien. Voilà, par exemple, attends. Hop là, voilà, viens ici. On peut y dire de couper du bois, vas-y coupe.
Ah bah, préfère aller nager. Tu préfères aller nager? Eh bah, vas-y, va nager, ma vieille. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais construire une autre ferme. Voilà, on va faire comme ça. On va mettre, voilà, 2-3 personnes à travailler dans la ferme. Voilà, allez-y tranquillement. Elle, elle est en train de couper du bois. Oh, je vais t'aider, tiens. Voilà. Tu vois bien? Regarde, ça va pas plus vite comme ça? Alors. Et bah voilà, impeccable. Bon, et bah c'est plutôt bien, c'est chatoyant, c'est verdoyant là-dedans, tout le monde est content. Hein? C'est bon? Impeccable? Voilà. On va... Tiens, on va prendre un petit machin comme ça. Ça, des fois, je sais pas, peut-être que ça peut leur faire du bien un petit peu. Tiens, voilà. C'est bien ça, non? C'est pas mal. Attendez, parce qu'en fait, je fais ça parce que je comprends pas tout, tout simplement. Attends, stop. Stop. Attends, voilà, on va faire ça. Voilà, c'est bon, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, c'est bon. Voilà, écoutez, eux là, il y a trop de monde ici. Il y a trop de monde, on va les mettre au travail. Voilà, ça c'est bon, voilà, ça va au travail ça aussi là. Alors, ça bosse pas, tu veux pas bosser? Tu dégages. Alors, écoutez, ça commence à m'agacer, on va faire le tri là-dedans. Ça veut pas bosser? Tu dégages. Alors, ça bosse ici ou ça bosse pas? Voilà. On va en mettre un peu là, voilà, on va en mettre par là, voilà, tous ceux qui veulent pas bosser, ils dégagent, voilà. Et les travailleurs, on va les garder. Tu veux bosser, toi? Alors, eh ben voilà, regardez. Ni objectif, bail de 2 additionnels huttes, je les ai pas déjà construits? Eh ben regardez, c'était ça le principe, c'est qu'il fallait balancer tout le monde à la baille, mon vieux. Alors attends, construire 2 huttes, je l'ai déjà fait ça, construire 2 huttes. Je veux bien t'en reconstruire 2 de plus si tu veux, on va en mettre une là. Et oh, putain, fait chier quoi. Voilà, on va en mettre une là. Y'a plus de place là-dedans, mon vieux. Y'a plus de place. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Dégage de là, mon vieux. Toi, tu veux pas bosser, tu dégages. Voilà. Ah bah, regardez ça. Ça, c'est une travailleuse, ça, un petit peu. Alors, vas-y, tiens, aide-la, ça ira plus vite à deux. Hein? Alors, tu veux rentrer dans ta petite maison de poupée un peu là? Elle veut pas aller dedans, hein? Ouh, ils sont malades. Ouh. Oh, d'accord. Lave-la l'attaque. Lave-la, je savais bien qu'il y avait une attaque quelque part. Oh putain, ils sont malades. Attendez. Donne-moi ça. Voilà. C'est bon? Je vous ai sauvé? C'est eux! Merde! Bougez pas! Ça va le faire, ça va le faire. Merde! Ah bah merde! Voilà, c'est bon. Écoutez, j'ai recommencé le level. Cette fois-ci, ça a été un petit peu plus vite parce que j'ai compris un petit peu le principe. Donc c'est plutôt cool. Eradiquette, c'était marqué Eradiquette quelque chose. Faut éradiquer tout le monde. Bah tiens, mon vieux, on va tous les éradiquer, tu vas voir. Tiens, je vais te les éradiquer. Tu veux que je te les éradique? Tiens, prends ça sur la gueule. Je vais te les éradiquer, moi, tu vas voir. Voilà. Tiens, voilà. Est-ce que j'ai éradiqué tout le monde? C'est bon? J'ai tout éradiqué, là. Ah non, pas celle-là. Tiens, dégage. Eh bah voilà. Eh bah c'est impeccable. Regardez. Hein? Eh bah, level select, vas-y. Oh, regardez, un nouveau level. Vas-y, play, c'est parti. Ok, nickel. Bon, on se retrouve pour le prochain niveau. Alors, only you can prevent forest fire. Seulement, vous pouvez prévenir les feux de forêt. Ok, d'accord. C'est parti. Let's go. Alors, new objectif. Vas-y, dis-moi ce qu'il faut faire. Stop pile 1000 wood. Ok, d'accord, c'est parfait. Donc, on va commencer par construire un truc de bûcheronnage. Tout simplement. Ah merde, je l'ai mal mis. Attends, attends, attends. Oh. Putain, c'est pas évident à bien les placer. Voilà, nickel. Allez, vas-y. Bosse toi un petit peu là. Viens ici, tu vas l'aider toi. Vas-y. Voilà, bossez, bossez. Allez, c'est parti. S'il faut stocker 1000 bois, on va même en construire 2, je pense. Ouais, on va en construire 2. Voilà. Ok, ça c'est parfait. Vas-y, hop, tu vas l'aider. Tiens, bosse un petit peu ici. Voilà, c'est parfait, ça. Donc. Et bah voilà. Tiens, toi, tu seras bûcheronne. Voilà. Toi, tu seras bûcheronne. Toi, toi. Voilà. Non, eux, c'est des fermières. Voilà, eux, c'est des fermières. Eux, c'est des bûcheronnes. Voilà, allez-y. Coupez, coupez. Coupez, décalez. Vas-y. Voilà, 2 sur 4, il y a encore de la place, là. Alors, il y a des candidates? Oui, non, non, vas-y, excuse-moi, excuse-moi. J'ai pas fait exprès. Vas-y, on va se relever un petit peu. Et bah voilà, regardez ça, comment que ça bosse bien, là. Hein? Par contre, toi, voilà, bosse un petit peu, là. Alors, c'est bon, tout ça? Ça coupe du bois? Ah, bah, regardez ça. Regardez ça, comment qu'elle se débrouille comme une chef, celle-là. Hein? Alors? Regardez-la voir. Hein? Bah, tu te débrouilles bien, hein? Allez. Tiens,
je te donne un petit coup de main. Allez hop, mon objectif, 475 bois, ok. Donc on a la moitié de l'objectif pour les 1000 bois, c'est plutôt cool. Alors ça bosse à la ferme là-bas, tranquillement, c'est bon, impeccable. Ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter des huttes. On va rajouter une petite hutte, voilà, juste ici. Comme ça, toi tu vas y aller. Tiens, aide-la deux secondes, vas-y. Voilà, je pense qu'en rajoutant des huttes, peut-être que ça peut faire venir plus de people, je sais pas, franchement j'en sais rien en fait. Je dis ça, voilà, c'est bien là, non? Hein? Attends, tiens, toi tu seras bûcheron, et toi tu seras bûcheron aussi, voilà. Oh bah regardez comment que ça bosse là, 600 bois, c'est plutôt cool ça. On va même rajouter une petite hutte encore, voilà, il y a de la place. Ok, tiens, je vois que tu fais rien toi, aide ta copine un peu là. Toi tu fais rien, tu dégages, voilà. Et bah voilà, toi tu seras bûcheron, voilà, impeccable. Regardez, on a presque fini l'objectif, 900 de bois. Yeah! Nickel! Ça, c'est des mains de dieu, voyez? Alors, level select. Allez, vas-y, fais péter. Ah, regardez ça, on a un nouveau level. Hein? C'est plutôt sympa, ça. Bon, écoutez, le level, je vais le reposer bien gentiment, juste ici. Ah bah merde, il s'est barré. Tiens, ça dégage. Tiens, comment que ça part, mon vieux? Laisse tomber. En tout cas, les gens, on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur Super Island God VR. Moi, franchement, je trouve que le jeu, il est super cool. Donc, bah, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, pourquoi pas la partager. Nous, on se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde !